Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 5-6-20, 49e jour du Homer, veille de Shavuot. Tout d'abord, le rabbi nous dit il faut étudier le chômage du jour, le thénim du jour, le taille du jour. Puis le rabbi nous dit que la veille de Shavuot, 5557 en 1797, l'admor le rabbi Zalman, premier rabbi de Chabad, il a donné l'explication sur un verset qui est lié à la préparation du don de la Torah que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, «Ve qui macha, tu les sanctifieras » Aujourd'hui et demain, après, ils vont se laver les vêtements. Alors, il y a deux parties dans ce verset. Le Tsamar dit, la première partie, que tu vas les sanctifier aujourd'hui et demain, ça, c'est ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'Akadosh barou. Mais la deuxième partie, laver les vêtements, ça, c'est le travail de chacun. Ça, c'est ce que azaken il a dit, c'est tout. Le Tzed, le troisième rabbi de Chabad, son petit-fils, a expliqué. Quand il y a écrit, Veki tu vas les sanctifier. À qui Dieu il est en train de parler Il est en train de parler à Moshe Rabbeinu. Et quand on dit Moshe Rabbeinu, ce n'est pas seulement le premier Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah, c'est aussi Aït Pach Tuta de Moshe darav C'est l'extension de Moshe Rabbeinu qui dans chaque génération. Et ces Moshe Rabbeinu de toutes les générations, eux, ils ont la force, le pouvoir de rendre saint le aujourd'hui et le demain. Et ça, c'est eux qui s'en occupent. Mais il y a la partie que nous devons agir. Le vechib sous Après cela, il faut nettoyer les vêtements. Les vêtements, c'est les vêtements de l'âme. La pensée, la parole, les actions. Ça, c'est à nous de travailler sur ça. un excellent yom.